Monsieur Antoine Petit, bonjour. Bonjour. Vous êtes président directeur général de l'INRIA. Vous pouvez nous présenter rapidement ce grand institut ? Alors oui, INRIA est un institut de recherche publique qui est spécialisé dans les sciences du numérique, plus particulièrement dans les aspects informatiques et mathématiques appliquées, et qui a la particularité d'avoir deux ministères de rattachement, le ministère en charge de la recherche d'une part, le ministère en charge de l'industrie d'autre part. Et est-ce qu'on pourrait avoir quelques chiffres clés sur les projets qui ont été mis en œuvre chez vous ? Oui, alors quelques chiffres clés. D'abord, INRIA, c'est environ 2700 personnes, 1800 chercheurs, 900 personnels d'appui. Une particularité, c'est que parmi nos chercheurs, plus de la moitié sont étrangers. Près de 90 nationalités sont présentes chez INRIA. Donc ça donne une image qui est extrêmement importante. Ça prouve notre attractivité aussi. Et puis, nous sommes organisés en équipe projet. Donc nous avons un peu moins de 200 équipes projet, 170, qui travaillent donc sur les différents aspects liés aux mathématiques appliquées à l'informatique, et dont la production principale est bien sûr des publications, mais aussi des logiciels. Nous développons beaucoup de logiciels, dont à peu près plus de la moitié même en open source, dans des domaines comme la sécurité, les big data, etc. Alors justement, lors de notre échange, vous m'avez dit que vous vouliez focaliser sur la sécurité. Pourquoi ? On a encore besoin de justifier par rapport à l'open source de la sécurité à ce niveau-là ? Alors d'abord, on a besoin d'expliquer encore l'importance de la cybersécurité. C'est-à-dire que là, les événements tragiques que nous venons de vivre ont permis, d'une certaine façon, j'ai envie de dire malheureusement, de démontrer qu'il y avait besoin de techniques pour la cybersécurité, pour essayer d'être plus efficace en termes de cybersécurité. Et une solution est d'avoir des logiciels en open source. Pourquoi ? Parce que le fait que le code soit accessible va aider les spécialistes à essayer de vérifier que ces logiciels ne sont pas buggés ou intentionnellement ou simplement par erreur. Ce sont des choses difficiles, hein, c'est-à-dire qu'il ne faut pas croire que sous prétexte que le code est disponible, il est facile de vérifier un logiciel. Il y a des exemples de logiciels, y compris extrêmement courts en termes de taille de logiciels, de nombre de lignes de code, qui ont tourné pendant des années. Et c'est qu'au bout de quelques années qu'on s'est rendu compte que les implémentations étaient erronées. On a un exemple très récent sur le sujet. On a un laboratoire commun avec Microsoft Research depuis 2006. Et parmi les thèmes abordés par ce laboratoire commun, il y a des questions de sécurité, justement. Et donc, une équipe commune a démontré récemment que dans les implantations de TLS, qui est le protocole que vous utilisez pour les transactions bancaires, qui est aussi le protocole que vous utilisez si vous déclarez vos impôts en ligne, l'implantation standard était buggée. Pourquoi est-ce qu'on a mis si longtemps à découvrir ce bug ? Ça prouve d'abord que c'est difficile, et il a fallu faire appel à des techniques mathématiques assez élaborées pour démontrer que finalement l'implantation ne correspondait pas à la spécification de haut niveau. Et non seulement nos équipes ont permis de mettre en avant ces failles, mais elles ont permis de les corriger, ce qui est évidemment l'essentiel. Et nous allons même annoncer avec Microsoft Research, notre partenaire, la mise à disposition de codes open source qui permettront aux universitaires, aux experts en sécurité de vérifier que leur implantation de TLS est correcte. Donc voilà un exemple dans lequel l'open source est important pour, non pas encore une fois, garantir la sécurité. C'est pas open source, donc c'est sécure. Mais si c'est open source, il y a beaucoup plus de possibilités que quelqu'un puisse aller vérifier le fait que le logiciel est correct ou pas. C'est rassurant. Alors, vous m'aviez dit aussi, l'open source est un outil extraordinaire pour développer des projets d'envergure. Est-ce que vous pouvez nous préciser, parce qu'on le voit ici sur l'événement, Orange est passé, il y a des gros projets, mais quand on est dans la recherche, ça a encore plus de valeur à ce niveau-là. Oui, alors c'est amusant de se rappeler ce qui se passait il y a quelques années en arrière, et le Qelk n'est finalement pas tant que ça, ou quand finalement la communauté universitaire a commencé à vouloir développer de l'open source. C'était vu par la sphère industrielle comme un peu quelque chose d'un peu bizarre. Un peu marginal, à partir duquel il n'était pas possible de faire du business. Et là, on voit bien que
enfin, le salon montre bien à quel point cette vision était erronée. Et donc oui, ça permet de construire des projets d'envergure, vous l'avez dit, et c'est en particulier important pour la formation. Ça, je crois que avoir des gens qui peuvent participer à des étudiants qui peuvent participer à des projets d'envergure en open source, et l'open source le permet, donc permet d'avoir des gens qui sont mieux formés et qui ensuite pourront éventuellement utiliser cette formation pour développer des logiciels qui ne seront pas en open source. Capitaliser sur cette formation. Mais finalement, c'est un petit peu comme si vous étiez un ingénieur en génie civil et que vous pouviez participer à la construction du viaduc de Millau. Ça, c'est quelque chose qui... C'est génial. Ça ne marche pas, donc, pour un étudiant en génie civil. Bah, l'open source, ça peut marcher. C'est-à-dire que vous pouvez être étudiant et contribuer à un logiciel est l'équivalent du viaduc de Millau. Et ça donne quand même une formation qui est tout à fait unique. C'est vrai. Peut-être un dernier message, rapidement, si vous aviez quelque chose à dire aux personnes qui sont là, ici présentes. Écoutez, je pense que peut-être le message, il est double. Il est le fait que le logiciel... Alors, dans une communauté comme celle qui est présente ici, tout le monde en est convaincu. Mais vis-à-vis des pouvoirs publics, je crois que la sensibilisation à l'importance du logiciel est finalement assez récente. Je trouve que des progrès ont été faits, mais il faut continuer à insister sur le fait que... On le voit avec le projet de la loi Le Maire aussi. Par exemple, voilà, on voit les projets de loi, on voit les projets aussi de la loi qu'on appelle Macron 2, qui va remettre en avant ces aspects-là. Donc je crois que c'est extrêmement important pour notre pays. Je crois que la dynamique qui rejaillit dans le forum le montre clairement. Il y a du business à faire, il y a des choses dans lesquelles on va pouvoir, enfin, les créations de spin-off pour un institut comme INRIA, de start-up, qui vont permettre de créer des emplois et de la valeur. Des données, nous en avons, il faut que nous sachions les exploiter. Et pour ça, l'open source est un outil qui est tout à fait extraordinaire. Merci infiniment pour votre intervention. Merci beaucoup, Monsieur Petit.